Et bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode, et probablement dernier, de la campagne de Northgard. Alors voilà, il s'est passé une bonne quinzaine de jours hein, depuis que j'avais commencé cette partie, donc je vais reprendre ça tranquillement avec vous, histoire de la conclure, parce que je n'ai pas pu, je suis parti en vacances. Je voulais finir avant, mais j'ai pas pu, mais ça n'est pas grave. On va reprendre, de toute façon j'ai déjà plus ou moins rechargé pour voir où ça en était. Donc là, j'avais vu qu'il y avait un drogre, non, comment on appelle ça déjà? Un Eldur, ouais, ok, un Eldur qui allait rentrer chez nous. Voilà, on va le gérer. Tranquillement, sans stress. Et je crois qu'il y en a un deuxième qui va pénétrer après sur notre territoire, dans un sale état, cela dit. Voilà, et tant que tout ce petit monde se fasse soigner et que je surveille que tout aille bien... Ok, donc là on a plus de mineurs. Je surveille quand même, hein, mais bon. Ça a l'air d'aller. Et ben, on va améliorer ça. Et on va y venir. Voilà. Ok, bon, bah, si c'est toute l'armée, c'est bon. On a un guerrier ici, ok, qu'on avait oublié en chemin, c'est pas bien grave. Ici, on va essayer d'éliminer elle, ça sera fait, comme ça on aura le passage qui sera ouvert. Attends, on va se barrer, voilà, on va recommencer pour pas que ce soit le même qui prenne les attaques. Un petit coup de repos ici. On peut avoir du fer, mais on en a plein. Moi, je veux vite essayer d'aller ici, en tout cas. Plus de maisons. Toi, viens faire ça. Ensuite, je vais prendre toi, camp d'explorateur, pardon, et tu vas venir ici. Je pense qu'il y a un passage là, mais bon, je voudrais être sûr. Pareil, on a du fer, on peut améliorer les pans de bouclier. Ici, son attaque est augmentée. Ouais, on va prendre ça. Voilà, là ça explore, on est bon. Cabane de pêcheur, on va prendre. On va envoyer un autre pêcheur ici. Hop là. Ça c'est bon. Là, on est pas mal aussi. On va mettre un autre brasseur, ça augmentera le bonheur. Voilà. Là, ça bosse. Faudra faire des mines ici. Avoir fait de camp d'entraînement de mémoire. Ah, j'en avais peut-être fait un en fait, je sais plus.
Voilà. On va se soigner et ensuite on ira attaquer là-bas. Faire ça, d'accord. Je savais même pas. Bon, on va coloniser celle-là. Hein. On a reçu des hommes et des ressources. Oui, bah alors attention, parce que j'ai déclenché le combat là. Voilà, repos. Soignez-vous. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut que je fasse des silos à grains. Du coup, on va organiser un festin. Ça, c'est bon. C'est bien que je détruise cette zone là, comme ça on n'a pas de pop avant, avant que ça arrive, mais ça va être chaud. On va faire ça. On va envoyer le héros. Puis les autres. Allez, au boulot. Normalement cette zone là ne générera rien du tout. Cet hiver. Voilà, parfait. Bon timing. Ouais, tu deviens mineur dans cette zone. Je voudrais refaire un lanceur de hache, porte-bouclier. Il est où mon bâtiment de lanceur de hache? Il est juste là. On va laisser le héros prendre l'aggro. On va l'aider. Lui, on le surveille. Voilà, ça c'est géré. On va laisser les petits bonhommes se reposer. Ici, est-ce qu'on a de la place ou faut développer la zone? On va développer la zone. Et on va y faire un silo aussi. Voilà. Ensuite, il faut refaire une maison. Là, on n'a pas de fer. Tour de défense, on va la détruire, elle nous sert à rien. Le camp de lanceur de hache, on l'améliore.
Ici, on développe la zone. On va aussi faire un silo. Comme ça, au moins. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est bien d'améliorer les soigneurs, d'ailleurs, tiens. Les guérisseurs. Allez, hop. Commençons par faire ça. Ici... Efficacité de puissance militaire contre les tours de défense, on s'en fout, manteau de fourrure, bof. Les mineurs extraient le matériel, le minerai plus vite. Foyer pendant l'hiver réduit, recrutement. On va faire dératisation, voilà. Le Bifrost n'est plus trop attaqué, j'ai l'impression. Allez, on va attaquer cette zone là. On la colonise. L'unité militaire gagne un bonus d'attaque de 15% lorsqu'elle se bat en dehors de votre territoire. C'est parfait ça. Explorateur mort. Bon, tant pis. On va déjà faire une autre maison, comme ça on va gagner du temps. On va faire un autre bûcheron, puisqu'on peut le faire. Et ici, j'aurais bien fait ça. Alors, on n'a pas de marché. Est-ce que j'avais fait un marché ou pas? Il ressemble à quoi déjà le marché? Je sais pas si j'en ai fait un. J'aurais dû en faire un, mais je suis pas sûr que je l'ai fait. Toi, voilà, va devenir mineur aussi là. On améliore le silo. Voilà, 1600 maintenant la limite de nourriture, on est mieux. Comme d'hab, on envoie Egil prendre le lit, l'aggro, et on va les massacrer. Voilà, au moins le premier, maintenant on se calme. On va refaire un explorateur ici, on va l'envoyer là. Ensuite une cargaison de ressources et de renforts. Ouais, on va manquer un peu de sous pour eux, mais on va trouver, c'est pas grave. On va faire les marins. D'avoir un tout petit peu plus de gains d'argent. On va l'améliorer. Alors, on va détruire ce camp là aussi, comme ça fera encore moins d'assauts. Et c'est parti.
On va venir prendre cette zone là aussi. Parce que le petit bonus de 10% ça se prend bien hein. On colonise, on va également les tuer ceux-là, ça nous fera de l'argent bonus à chaque mort. Voilà. Ça c'est fait, maintenant on peut se reposer un petit peu. Voilà, Dokkadrakkar, c'est bon. Maintenant qu'on est là, ben on va améliorer les marins, puis les chasseurs et les lanceurs de haches. Voilà. Au boulot. Ok, les voilà. Tranquille, on a bien géré. Alors, éclaireur. Ok, il est là. Il va y avoir un camp par ici, je pense. Même pas où il est le méchant. Ah bah il est là-bas. C'est marrant, ils ont même pas de... Ah si, c'était... c'est lui qui est bugué. On va lui donner un coup de main à la forge. On va pouvoir commencer à aller voir ce qu'il vaut le bonhomme là-bas. Mais je pense qu'on a moyen de le tuer déjà. Ah, c'est considéré comme une déclaration de guerre ou quoi? Ah, je croyais que c'était des gentils moi eux. Je croyais que c'était nos alliés, les bleus. Clan du sanglier, c'est pas des alliés ça. Et eh bah ben, visiblement pas. Oh bah s'il y a que ça, allez, hein, au boulot. Hein. On a l'air bien seul. Ils sont nombreux quand même. Faut que je fasse d'autres porte-boucliers aussi à un moment. Affaibli pendant l'hiver, ouais, ça peut-être être utile ça quand même. Hein. On va prendre le don de Freya. On n'est pas en manque de ressources, style pierre et fer. Non, non, c'est bien ça, ouais, c'est bien le clan du sanglier autour qui nous emmerde. Et vu les dé-
déplacement là, j'étais en train de me demander s'il allait pas m'attaquer presque. Pour ça que je pense qu'on va pas traîner. Et qu'on va aller continuer de les attaquer. On va perdre quelques troupes, mais c'est pas grave. Globalement, on les a bien eu, hein, quand même. On va renvoyer ceux qui sont blessés en arrière, histoire qu'ils se fassent soigner pour gagner du temps. Bâtiment que j'aimerais bien améliorer d'ailleurs. Et y affecter un troisième guérisseur, ce sera pas de trop. Encore des renforts. On va juste se replier ici en attendant de voir ce qui se passe. Eux, ils ont plus rien à forger. Les fermiers. Les marchands. Et les brasseurs. Voilà. Il y a toujours à faire. On va aller tuer du loup pour se faire un peu d'argent. Ou de bouffe, ça marche aussi. Voilà. Non, je voudrais que tu finisses cette zone, s'il te plaît. On va améliorer la brasserie, mettre un troisième brasseur. Ah, du coup, je me dis que ces géants-là, ils sont protégés en fait par par ce clan-là. Je sais pas trop comment ça marche. Eux, je les vois pas attaquer du coup à chaque fois. Voilà, là, officiellement l'assaut est parti, mais il y a rien qui part d'ici. Ok, ça part de là par contre, ou de là. Ouais, ça doit partir de là. Enlever un bûcheron pour faire un porte-bouclier. On va envoyer là. On fait la connaissance des Jotnar. Ouais, ils sont très gentils eux, les Jotnar, mais bon.
Bon, eux que j'avais un petit peu affaiblis là, je pense qu'ils ont plus beaucoup de soldats, on va aller leur piquer cette zone-là. Plutôt brûler cette zone-là. Le chef de guerre, on va lui faire sa fête. Et ensuite, on pourra monter voir le méchant. Je sais qu'il est sans ouvrier, mais c'est pas grave, c'était juste pour pouvoir acheter de la pierre si j'en voulais. Capturer cette zone. Bon, détruire celle-là aussi parce que pourquoi pas. C'est toujours fun de les anéantir comme ça. On va améliorer le silo. Voilà. Et là, on est gavé en nourriture. On est largement tranquille. On va envoyer les blessés. Là-bas. Alors qu'ils se refassent vite fait une santé. On revient là. On va augmenter la puissance de notre héros parce que voilà, après tout on y est. Hein. Puis ensuite on va aller voir pour tuer F de Long si on y arrive. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas hein, vu l'armée. Allez, let's go. Parti. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Enfin, tu ne peux plus t'échapper. Evdolong, tu es vaincu. Le Ragnarok n'aura pas lieu. Tous tes efforts ont été vains. Il est à toi, achève-le. Enfin, je veux pas dire qu'il a deux épées et toi t'en as aucune. Hein. Ah, d'accord. Regardez-moi ça, ce lâche se rend. Tuez-le quand même. Qu'as-tu à dire pour ta défense, vermine? Tant de souffrance, dans quel but? Il n'a rien à dire pour sa propre défense, à l'évidence. Votre vengeance est à portée de main, sire. Oh, je sens qu'on va être bon et qu'on va l'épargner. Tu as perdu l'esprit, à l'évidence, alors que je m'apprête à venger mon père. Tu oses me rire au nez? Je vais abréger tes souffrances. Tu l'emportes, roi, mais il est trop tard. Véadrung was finally in my grasp.
He had failed, and we were the victors. Or so I thought. Just as I was about to end his miserable life, Vedrung smiled peacefully, betraying no hint of regret or bitterness. You are victorious, High King, he said. But you still arrived too late. Bifrost may still stand, yet the world tree has been shaken to its roots. You think you prevented Ragnarok. I say we are in the midst of it. He went on. My work here is done. The men may not yet be free from Odin's yoke, but they now know that defiance is an option. This is the dawn of a new era. Do what you will with me, spare me or kill me, it matters not. Why those words pierced my soul, I shall never know. I suddenly lost all will to kill him, realizing how futile it would be. It would never bring my father back, and he was right. Ragnarok was happening. Or rather, it is happening. This is a new era indeed. Our story is not over. It is only beginning. Northgard needs to heal, and we will be here to tend to its wounds. So, this continent we once called untamed and hostile, we shall now call it home. Et c'est ainsi que s'arrête effectivement la campagne qui va finalement qui introduit finalement le fait qu'après les gens vont faire des parties tout le temps sur Novgarde entre les différents clans, etc. Donc en fait c'est un peu l'arrivée des héros et des clans sur cette île là. Et puis maintenant qu'ils sont arrivés au bout, ils s'installent. Enfin moi je le vois comme ça en tout cas, je pense que c'est vraiment un parallèle. Parallèle avec le fait que le jeu est quand même fait pour faire de l'escarmouche et du multijoueur, hein, et pas forcément du solo. Donc à mon avis c'est expliqué, c'est voulu comme ça. Donc voilà, en tout cas on a réussi le jeu. Super, terminé. Alors je vous passe, hein, je l'aurais laissé avec grand plaisir, mais bon, on va quand même le passer. Voilà, donc après effectivement on peut refaire les missions, hein, pour débloquer les objectifs bonus. Mais bon, j'en suis pas là quand même. Il y en a quelques-uns que j'ai réussi à faire, mais... Mais bon, voilà, c'était le mode histoire de Northgard. On se retrouvera probablement un de ces quatre pour une campagne en multijoueur en mode conquête qui permettra de faire des objectifs sur plusieurs parties. Totalement aléatoire, je n'ai pas encore testé. Mais voilà, je pense que je vous proposerai ça dès que possible en multijoueur si possible. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette série sur Northgard et je vous dis à très très bientôt sur les Jeux du Cygne. Bye bye tout le monde!